Je t'aiderai volontiers dans ta quête, Spyro. Mais je dois d'abord m'occuper de mon petit frère. J'ai peur qu'il se soit attiré des ennuis pendant mon absence. Et salut tout le monde, et bienvenue dans le 12e épisode du Let's Play de Spyro, Year of the Dragon, version Reality Trilogy sur PS4. Bon, donc on se retrouve avec notre ami Bentley qui nous a accueillis, hein, puisque je vous rappelle que dans la fin de l'épisode précédent, je m'étais placé ici pour avoir la sauvegarde. Hein, donc j'étais rentré dans le niveau de Bentley sans le commencer. Donc on se retrouve après avoir libéré Bentley des griffes de la sorcière et de gros sous. Voilà, on va dire ça. Je vais donc contrôler Bentley, comme d'habitude, Bentley le Yeti. Hein, et alors, moi je peux sauter. Je me rappelais plus que vous pouvez sauter, c'est pas tout à fait ça. Mais... Alors on peut voilà, faire ça avec le carré, ça fait une espèce de... Et avec le rond, il écrase le sol. Et triangle, c'est la vue comme d'habitude. Lol, regardez-moi ça. Je suis sur le vase, ça le casse pas. Non, pour les vases, je suis obligé de faire ce coup là. Ah bah voilà le petit frère, je me demande bien quelle voix il va avoir. Hein. Je me souviens de sa voix originale. J'ai peur de ce que je vais entendre. Salut l'ami, ce serait vraiment bien que tu détruises ce rocher. Un petit coup bien placé devrait suffire. Oh, la voix est assez similaire. Elle est différente, mais ça se... Lol, il a un téléphone. Non mais tout est normal. Bartholomé a un téléphone. Ah, voilà des ennemis. Bonjour monsieur Lorino. Ah, je peux casser ça aussi. Je casse tout. Bentley, c'est littéralement le personnage qui casse tout. Ouais. Je croyais que c'était un vase. Putain, vous avez vu l'animation quand vous le tapez en plus. J'ai entendu ces grosses brutes te traiter de fillette. Tu ne vas pas les laisser s'en tirer comme ça quand même. Comment tu m'as appelé là? Personne. Personne ne me traite de fillette. Non, je rigole, je sais que c'est mauviette hein, normalement. Mais... Doul, il m'a eu. Mais tiens, tu vas mourir. Tu vas mourir, espèce de petit mécréant. Ouais, je casse le totem pour pouvoir casser le... Par contre, lui, il est en haut, hein, donc... Façon, regardez. Regardez, il y a un ennemi derrière. Donc je peux déjà vous le dire, on va faire le tour et revenir ici. Alors, je vais casser celui-là aussi. Allez. Si tu utilises ton tourbillon pour envoyer la boule de neige sur le gong, on pourrait faire s'effondrer le plafond. Ouais, on va faire s'effondrer un plafond avec un gong. Alors vas-y, lance-moi une boule de neige. J'ai appuyé. Et loul. Voilà. Oula, j'ai l'impression que ce truc là il est plus chiant à faire qu'à l'origine. C'est bizarre. C'est bizarre tout ça. Oh, un œuf. Lol, t'as à peine commencé le niveau, tu ramasses déjà un œuf quoi. Putain, n'empêche, j'en ai la blinde là des œufs. Ah. Et tu me veux l'otari là? Non, c'est l'autre bouton. Allez, lance. Tiens. Je l'avais pas vu venir celui-là. En fait, on dirait que le tourbillon il tape rien, hein, même si vous êtes dessus. Hein. Il sert juste à renvoyer des trucs quoi. C'est vraiment sa seule utilité quoi. Allez, lance. Non, j'ai dit lance. Pas fait du jonglage. Ah, je te jure. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ouais, bah 2 minutes, Bartholomé. Ouais, mais moi j'ai réflexe d'appuyer sur le bouton carré pour attaquer, pas le rond. Bah, vous allez me dire, le rond avec Spyro sert à cracher du feu, tu vas me dire. Donc si c'est quand même. C'est quand même une attaque, mais. Alors voilà, là on va pouvoir aller chercher le. Je suis encore planté.
On va pouvoir aller chercher le coffre. Ah bah oui, j'ai plus Sparks. Bah tant pis, je suis obligé de refaire le tour. Oh, il y a 25. Et bonjour monsieur. Bonjour monsieur qui va servir à me remettre un Sparks. Monsieur le lapin. L'ennui c'est que Bentley va pas très vite donc. Parce que quand je dois parcourir des grandes zones avec Spyro, j'ai l'habitude de charger pour aller plus vite. Mais là je peux pas. Allez, lance-moi tes boules de neige. Je suis obligé de te parler avant. Encore un gong, super. Je parie qu'on peut provoquer une avalanche avec lui. Putain, mais tes gongs ils sont surpuissants. Ouais, bien sûr. Par contre, comment on va là? On doit faire le tour par un autre endroit? Ah, je peux pas là. Il faut que je la pousse, d'accord. Est-ce que je peux la... Oui, je peux l'envoyer dans le vide. Et ça me donne un point de compétence en plus. Allez, je veux juste voir l'intitulé du point de compétence. Fais tomber la... Ah ouais, d'accord, c'est... Voilà. Donc j'ai même fait le point de compétence sans faire gaffe. Enfin, sans le chercher, quoi. Je me suis juste dit comme ça par curiosité, est-ce qu'on peut la pousser dans le vide? Et ça a marché. Allez, là, il y a du monde. Merde, si je le rate, on n'a pas fini. Il y a d'autres lapins pour... Ah, ici. Parce que bon, quand tu dois choper les joyaux sans Spark, c'est chiant. Bah, t'as l'habitude tout le jeu d'avoir la libellule qui te permet de ramasser les joyaux quand tu passes à côté. Et puis d'un seul coup, t'as plus de la libellule et tu dois te mettre à passer pile poil sur les joyaux pour les prendre. Oh, comment je l'ai tué? J'ai tapé à côté. En fait, attendez. Ah ouais, d'accord. Le fait de taper à côté, mais de donner une direction pendant qu'il tape, ça permet de faire un petit balayage et de tuer les ennemis à côté quand même. Certes. Allez. Voilà, je mets les deux caisses. Du coup, Bartholomé, tu vas juste m'attendre parce que j'ai un endroit à aller voir. Je me demande qu'est-ce qui se passe si j'ai réussissais à faire en sorte que le coffre me retombe sur la tête. Oh là, c'est quoi ce bug? Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais putain! Ah d'accord, toi je t'avais pas vu. J'avoue, je t'avais pas vu. Mais c'était quoi ce bug, sérieux? Encore un bug de collision dans toute sa splendeur. Et après on va encore me dire que ce jeu n'a pas de problème. Non mais oh. Bon, encore tu vas me dire ça c'est mineur hein. Par rapport à d'autres dysfonctionnements auxquels on a eu droit. Et notamment les dysfonctionnements que me présente régulièrement Monsieur Top Toff. Ça c'était encore pas grand chose hein, j'ai envie de te dire. Alors, en comparaison c'était rien ça. Alors normalement je joue bien mon coup. Je joue bien mon coup, c'est pas normal qu'il me manque des joyaux. À moins que les joyaux manquants soient dans ce coffre. Allez, Sparks. Parce que là, il me semble que c'est la fin. Il me semble qu'on est à la fin du niveau. Destruction de totem. Et il me manque. Ah oui, mais l'ennui, c'est que faut que je fasse gaffe au nombre. Merci l'ami, voilà un petit quelque chose pour ta collection de pierres. Non mais je collectionne pas des pierres moi. Je collectionne des œufs de dragon, c'est pas pareil. Ouais, bon voilà, il est parti. Mais tain, j'ai encore réussi l'exploit, je suis sûr qu'il me manque. Ah il me manque 10 quand même. Bon, espérons qu'il soit tout prêt parce que... Ah bah ouais, juste là. Je plaide coupable. Voilà. Il y en avait 600 quand même dans ce niveau. Donc maintenant que j'ai terminé ça, on va partir. Et j'aurai accès à Bentley dans l'ensemble des niveaux du jeu. Je voudrais rien dire mais j'ai entendu le bip bip du téléphone de Bartholomé. Donc ça veut dire qu'il était toujours planqué derrière la porte en fait.
Et qu'une fois qu'il est parti derrière la porte, ils ont oublié, les développeurs ont oublié de désactiver ces animations. Pour éviter qu'on entende des bip bip alors que le perso est censé plus être là. Est-ce que je vous ai déjà dit que la sortie de ce jeu a été repoussée deux fois? Bon, alors maintenant, je vais donc, avant de faire d'autres niveaux de ce troisième hub, on va revenir dans le monde précédent. Puisque maintenant que j'ai accès à Bentley, on va pouvoir terminer la terrasse de bambou. Et puis en plus, en revenant dans le monde 2, on va pouvoir faire le niveau de Parks en plus. Qui nous fera encore, je pense, un épisode bien rempli. Et encore, faut voir le temps que je mets à faire le, à finir la terrasse de bambou. Parce qu'on est quand même déjà à 12 minutes. Et que les temps de chargement sont toujours aussi longs. Mais sérieux, quoi. Non mais fin 2018, c'est-à-dire à la sortie de ce jeu, mais avoir des temps de chargement aussi longs, mais c'est scandaleux. Attends, sérieux? Bon, de toute façon, ça pourra jamais être pire que Enter the Dragonfly, mais enfin quand même, quoi. C'est pas une raison. Allez, on y va. Alors oui, j'aurais pu voyager directement vers le niveau avec les menus, hein. J'aurais pu, c'est vrai. Mais le truc, c'est que cette fonction-là apparaissait normalement à la fin de Spyro 3 et jamais avant, en fait. Si mes souvenirs sont bons. Alors, nous y revoici. Bon, au moins, l'avantage, c'est qu'il ne faut pas refaire toute la mission. Hein. On peut aller directement... Enfin, toute la mission, je veux dire... la mission qu'on devait réaliser quand on venait la première fois dans le niveau. D'accord, j'ai craché du feu, mais bon, je l'aurais pas craché, ça aurait été pareil. Alors, pour aller dans la zone de Bentley, c'est par là que ça se passe. Voilà, c'est là-bas. Bah, une belle journée pour une promenade. J'allais justement en haut de ma colline préférée. Ah, tu vas monter une colline. D'accord. Donc évidemment, on n'est pas tout seul. Bartholomé, il est là. Il sera toujours dans nos pattes, de toute façon. Hey, je crois que j'ai vu des rhinocs monter en haut de cette colline avec un œuf. Bon, d'accord. Allez, c'est parti. Alors, Yeti, dans un environnement pas enneigé, c'est très étrange. Il y avait rien dedans. C'est juste du décor. Attendez, ça tombe, il y a peut-être un point de compétence sur ça. J'ai un peu du mal avec la portée du gourdin. Même si c'est logique, avec un gourdin, tu peux pas frapper très très loin. Mais hein. J'ai quand même réussi à me faire avoir, hein. C'est ça le pire. Alors je parlerai pas de la musique. Hein. Attention, quand je dis je parlais pas de la musique, j'ai pas dit qu'elle était mauvaise. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Alors regardez, quand je vais monter, ben voilà, les rhinocs vont me balancer des rochers à la tronche. Wow. Alors j'aime bien le rocher qui change d'orientation, je sais pas si vous avez bien vu. Là, vous voyez le rocher qui est posé sur le socle, il est bien droit là, de la tête dans le bon sens. Regardez, dès qu'il va, à peine il va le pousser. Voilà, c'est bizarre le truc qui change. C'est quoi ce délire? Depuis quand un rocher ça peut sauter? Ça c'est nouveau, ça vient de sortir ça. Putain, vous êtes nombreux.
bah je casse tout. De toute façon, je vous l'ai dit, Bentley c'est littéralement Destructeur quoi. Tu crois que je t'avais oublié le Rhino? Ah, c'est l'entrée ça. Ok. Alors, on va ramasser les joyaux ici. Oh, une vie. Oh, ils en voient pas que des rochers maintenant. Attends, c'est quoi ce délire là? S'il y a des TNT, je vois pas trop comment je pourrais passer. Allez, on y va. Et d'où ils viennent tous ces rochers? Bah oui, forcément, je me fais toucher, tiens. Alors, j'ai vu l'œuf, ne vous en faites pas. Bien que je suis surpris qu'ils se soient pas déclenchés quand je suis passé à côté. Mais vraiment, je suis nul. Là, j'ai oublié ce coffre. Oh merde. Bon bah, je redescendrai le prendre. Allez, on récupère l'œuf. Ah bah en fait ça va, bah si jamais dans le coffre c'est les derniers joyaux, bah j'aurais bouclé cette fin de niveau en 6 minutes. Ah ouais, c'est vrai, je suis obligé de passer sur chaque joyau. Voilà. Voilà, la terrasse de bambou est terminée à fond. Allez, on se casse de là. Par contre, j'aimerais bien recharger mon spark, ça serait cool. Bon, je vais déjà me faire ce bestiau. Et je récupérerai les autres en passant dans le hub. Allez, on s'en va. Voilà, on a la totale. Donc maintenant, pour compléter le monde 2 à fond, il faut aller faire le deuxième niveau de Sparks. Et après, on n'en parle plus. Alors, du lapin, je veux du lapin. Oh bah tiens, même une vie en même temps. Que demande le peuple? Alors, le niveau de Sparks, c'est là-bas. Voilà. Bonjour. Salut Spiro. Salut Sparks. J'ai trouvé un autre œuf. Si Sparks est prêt, il peut aller le récupérer au village des araignées. Ouais, vas-y. Bon, j'espère que vous êtes pas arachnophobe, hein. Allez, le temps de chargement qui dure 30 millions d'années. Quoique encore ça va, il a été un petit peu plus court que les autres. Bon alors, cette fois-ci pas de tuto, vu qu'on a fait un premier niveau de ce type, on est censé savoir comment ça fonctionne. Par contre, c'est la même musique que dans le premier niveau de Sparks. Et de toute façon, tous les niveaux de Sparks auront cette musique. Vous cherchez pas. Je dois mourir, merci. Mais comment on ouvre la barrière électrique? J'ai loupé un épisode ou quoi? Je pensais que c'était en tuant l'araignée. Allo Houston, nous avons un problème. Ah non. D'accord, ça s'ouvre tout seul quand je m'approche. Mais oui. Mais comment on utilise l'arme déjà? Comme ça. Oh, j'avais oublié comment utiliser l'arme secondaire. Non mais lol. On va y arriver hein. Alors là, le barrière électrique. Enfin, cette fois-ci, elle se désactive pas quand je m'approche. Une papillon, une clé.
Alors j'ai pris le bouclier parce que ça détruit tout. C'est un bouclier mais c'est en même temps une... Ah merde. Bon, on se le fait celui-là. Oups, me suis fait toucher. Ah, je me suis retouché. En même temps, j'étais à peu près, je veux dire, donc c'est un peu normal en fait. Attends, les barrières électriques s'ouvrent quand j'ai une clé. Elle s'est ouverte comment la première? J'avais une clé sur moi? J'avais pas vu? Tu permets? Putain, je me suis fait toucher encore. Voilà, là il y aura plus le champ de force sur le. Ok. Ça, c'est marrant, j'avais pas vu que le Spark se changeait aussi de couleur sur le. Mais. Il change aussi de couleur sur l'affichage en bas à droite, c'est assez rigolo. Ben non, je n'ai plus d'armes. Quoi ça? Oh, c'est là. Ah, c'est pas celle-là. C'était par là. Je suis littéralement jeté dans la gueule du loup là. Par contre, si je me faisais moins toucher, ça serait peut-être bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez de jouer un petit peu mieux? Là, je voudrais rien dire, mais les petites araignées, elles sortent littéralement de pots de fleurs. Hein. Voilà, je voulais juste me mettre dans l'orientation qui... Mais laisse-moi me mettre dans l'orientation que je veux! Bon, là, je suis un peu dans la merde. Ok, mais ça va, je progresse quand même bien. C'est sympa l'ennemi qui me cueille à la sortie du couloir. Et je m'y attendais tellement pas que du coup je ne suis pas préparé à tirer quoi. Oh, attention, il y a du monde. Putain, mais comment je peux me faire toucher par un ennemi qui est mort? Comment c'est possible? Lol, c'est quoi cette arme secondaire de merde? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et voilà, je suis mort. Putain, mais comment tu peux trouver le moyen de me remettre à temps de chargement? C'est une blague. Alors cette fois-ci, je vais être prévoyant. Non, là le pavillon, on va pas le manger. On va le laisser vivre. Par contre, j'ai plus d'armes secondaires. J'ai désactivé. Ah! J'ai été en train de dire, j'ai désactivé quoi, bordel de merde? Attends, je viens de me faire toucher par mon propre tir là ou quoi? On est déjà au... Ouais, on est déjà au boss, putain. Oh putain, le boss est un peu plus agressif. Wow, il est très agressif. D'accord, quand il tourne, l'attaquer ne sert à rien. Oh putain. Comment tu veux?
Putain, en plus, ça j'en ai presque rien envie, quoi. Je crois que je vais l'avoir. Hein. En fait, si j'ai détruit toutes les petites araignées, il s'arrête tout de suite de faire ça, de tourner pour me relancer des nouvelles. Allez, je l'aurai. Oh putain! Je l'aurai, mais là, je crois qu'au niveau de vie où j'en suis, je me suis touché une seule fois, je suis mort. Putain! Je suis sûr que je suis mort qu'il lui restait qu'un seul coup. Je suis sûr et certain. Oh, je suis sûr. Bon. Eh, mais surtout. Normal. Bah ouais, j'avais le choix. Ça veut dire si je pouvais peut-être encore m'échapper par au-dessus. Quand même assez peu de probabilité. Alors tu t'arrêtes quand? Non mais allô, y a plus d'ennemis. Ah si. Mais se planquer cette saloperie! Mais crève, espèce de. Espèce d'araignée! Putain, mais c'est qui va pas crever, hein! Non mais il me fait le remake de Ultraman Finish de merde ou quoi? Ah ça y est, enfin. C'est marrant, tout dit, ça me rappelle un autre jeu. Ah bah voilà, niveau terminé à 100%. Oh, on a quand même plutôt bien joué. Plutôt bien. Vous comprenez où je veux en venir? Bien sûr, je pense. Bah après ça va, hein. En dehors du bug de collision qu'il y a eu avec Bentley, sinon, non, ça s'est plutôt bien passé. On va pas tout le temps dire, ouais, le jeu, machin, voilà, faut le dire. Mais franchement, quand tu vois sa barre de vie, il lui reste un pixel de vie au boss, il meurt pas, tu... mais merde, quoi. Et ça, c'est dans tous les jeux, hein. tu vois le boss à un pauvre petit pixel de vie, et tu te dis, mais meurs. Mais meurs, sale boss! Enfin voilà, donc maintenant on a entièrement complété le jardin de midi. Donc on n'aura plus jamais à y revenir. Bon, sauf pour les trophées PS4 et les points de compétences que j'ai pas eu. Mais bon, ça je le ferai hors caméra. Je le ferai hors caméra de compléter les trophées et les points de compétences. Donc allez, lac du soir. J'en reviens toujours pas de ce nom. Quoi, c'était pas assez bien la crépusculaire? Ça va, hein, on sait ce que c'est qu'un crépuscule. Hein. Et quand je vois un truc comme ça, j'ai presque peur du nom qu'ils vont nous des noms qui vont nous pomper après. Je veux dire, dans les autres niveaux. Voilà, donc on vient. Wow, il y a eu un petit problème avec le texte. Il s'est pas affiché, il s'est affiché plus sombre que d'habitude.
Alors voilà, du coup nous revoilà ici, mais franchement je me demande quel niveau on va bien pouvoir faire maintenant. Les hôtels gelés, ça pourrait être pas mal. Sur les navires perdus, il y a une section du navire, des niveaux de navires perdus qui m'emmerde. Après on a quoi, la crête enchantée, je sais même plus c'est quoi. Peut-être un nom qui a changé, ben, ça me rappelle rien. On a quoi ici? Le circuit des ruches. Bon, je pense qu'on fera le... Ça me dit bien de faire l'hôtel gelé la prochaine fois. Voilà, donc je pense qu'on va faire ça. Voilà, la prochaine fois, on fera les hôtels gelés. On verra si on a le temps de faire autre chose. Hein. Enfin voilà, donc du coup, ben, on va s'arrêter là-dessus pour ce bel épisode. Je vous dis ciao et à la prochaine.